Coucou YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 15 pour Final Fantasy VII Rebirth. Après un épisode chaud en émotion, vraiment dur, le passage avec Dine, il était une claque. On va continuer. Oh là là. Je sais pas comment je... Bon, c'est bon, je suis full avec eux. Ah, si je peux me défouler sur toi. Ah, une glace à l'eau de mer. Je dois t'avouer que j'avais des doutes. Ouais. Mais quand même, t'es sûr qu'on peut laisser le directeur s'occuper de ça? C'est lui qui l'a demandé. Déploiement du pacificateur. Attention, ordre d'évacuer. Bon ben, ils sont tout à vous. Allez. Oh, je vais me défouler sur ta gueule, toi. Je te hais. Allez, c'est parti. Putain, merde, il a pas fait le contre. C'est con. Aïe. Nard ce con. Putain, j'ai foudre aussi avec eux. Okay. Putain, ils nous ont mis du dubstep là, les gars. Merde. J'arrive.
Ah, oh, j'ai mis sur qui Titan. Je compte sur toi. Je vais te montrer ce que je sais faire. Allez, putain. Ah, purée, il m'a électrifié. Allez, Tifa, bouge. J'ai pas Ramu, j'ai mis sur qui Ramu? Merde, j'ai pas fait gaffe. Je peux compter sur ton aide. C'est pas grave, je suis affreux à l'affaire. Putain. Attends, Clodo. Merde. Laisse-moi faire. Alors, qu'est-ce que je fais là? Chrono Force. Voilà. J'aurais dû le taper quand j'étais là. Oui, il nous fait un gros rayon de la mort là. Bâtard. Bon, allez. Bon, allez, vas-y, je vais en terminer avec lui là. Il y a une chure d'HP là, allez, transcendance dans sa gueule et c'est bon. Choc élevé. Je m'en fous du faire choc élevé moi, allez. C'est pour les GG. Le temps presse. Il faut qu'on file d'ici.
Mais comment on va faire ? Jeunes amis, prenez ceci pour vous enfuir. Dio ? Ce bracelet sert aussi de mouchard. Je l'ai utilisé pour vous écouter. Tu es innocent, Barrett. Désolé d'en avoir douté. Je vous offre ce buggy pour me faire pardonner. Veuillez l'accepter. Trop bien! Ah, mais Dio, c'est le best! Je vais m'assurer personnellement qu'il soit enterré comme il se doit. Merci. Maintenant que tout est réglé, on s'en va! Dio, est-ce que tu ne risques pas de t'attirer des ennuis? Assurer la sécurité de mes clients est mon devoir de directeur. Quoi que vous ayez pu faire à Midgar, ça ne regarde pas le Gold Saucer. Revenez vous y amuser quand vous le voudrez. Ce taux de testostérone, autant de virilité dans une scène. Alors, par contre... On a tout dans ce jeu, on a tout. Ah, mais c'était trop bien, hein, franchement. Oh. Square Enix Take My Money et toujours. Franchement, pour moi, c'est. C'est une évidence. Mes jeunes amis, vous allez voir ce que vaut le grand Dio. La vie est comme un long combat. Et c'est trop bien, les gars. Je kiffe ce jeu. Charger, hein. Ça vient, ouais.
on peut changer la vitesse de visée, ça c'est pas mal. Ah d'accord, tu peux bouger le buggy aussi, d'accord. Elle s'est crachée. Coucou Sony. Oh, t'as loupé une de ces scènes là. Oh mon dieu. C'était du grand art. C'est pas évident. Hein. Il faut rester dessus et oh putain. Ok. Réunion du milieu. Dur, dur. Bon, une fois que t'es loqué dessus, voilà. Là, tu peux laisser, t'es pas obligé de bouger. Il reste sur l'hélicoptère, donc j'ai pas besoin de m'amuser à bouger le joystick. Je peux me focaliser sur la bagnole, ok. Pas évident de faire là le buggy et
touché. Voilà, là. Putain. Comment tu fais? Il suffit que tu bouges le joystick un peu trop et c'est bon. Il se dit, il se déloque. Ils auraient pu améliorer un petit peu le lock par contre. Le lock c'est de la merde. Mais non. C'était trop bien fait. Ah les Tark ils sont costauds. Hein. T'as dit quoi? T'as eu un petit peu de mal? Mais à la ferme. C'était génial.
ma chérie. À mon retour, je vais devoir te parler. Non. Salut Kota. La physique. Voilà, c'est parfait. Eh bien, monsieur, vous avez l'air d'excellente humeur. Oui, mon travail a bien avancé. Essayez de ne pas trop vous amuser. Sommes-nous avec la Cetra? Nous continuons à la surveiller. Est-ce qu'elle semble se diriger vers la Terre promise? Pas pour le moment, apparemment. Dommage. Cela vous intéresse plus que les méga materia. C'est un rêve que je chéris depuis mon enfance. Je veux la voir. De mes propres yeux. Très bien. Je vais renforcer la surveillance. Un rêve que tu chéris. Comme c'est bien. Mais qui es-tu exactement? Tu sais parfaitement qui je suis. Je vois clair à travers ton masque, Rufus. Tu as peur de moi. Et je vois encore autre chose. Qu'est-ce que c'est? Ta haine envers ton père. Tes craintes, tes complexes. Et enfouis au plus profond de ton âme, la solitude. Je ne le nierai pas. Car tout ça, c'est ce qui a fait ma force. Ah, alors ça tombe bien. Notre planète a besoin d'un petit stimulant. Utilise cette force pour faire bouger les choses. Ça y est, on a les corridors des ténèbres dans Final Fantasy VII. Ça y est. C'est une technique du Wutai. Tu t'intéresses autant à moi. À un moment, je pensais que c'était les fileurs, en fait. Je pensais que c'était le pouvoir des fileurs. Mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ou c'est le pouvoir d'une materia. Cette, la fameuse materia pour se téléporter dans les... Wouh ! Zakouille. Ce sera mieux comme ça. Oh, on contrôle Zak. Allez, let's go. Chaque matin, quand je me réveille, c'est le moment où j'avais d'essayer tout ce qu'on a envie de faire. Si on veut pas attendre. J'ai vécu... Oh, l'école des gosses. Oh.
Il y a toujours ce ciel bizarre. Avec un genre de trou dans le ciel. Musique mélancolique. Monde sombre. Est-ce que le visage de cet homme te dit quelque chose ? Je suis navrée, mais non, pas du tout. On dit que cette faille dans le ciel. Voici les dernières informations concernant cette faille apparue. Ah, on parle d'une faille dans le ciel. Tous les jours, quand il faut aussi penser à ce que. J'allais dire Kairi. Voilà. Fatigué. Iris. Sous la peur du ciel. Et là, bizarrement, le ciel s'ouvre. Bon, et du coup, il faut que je parle à quelqu'un, je suppose. Dis, tu connaîtrais pas cet homme ? Non, je le connais pas. Mon fiancé est mort lors de l'effondrement du plateau du ciel. T'aurais pas vu cet homme dans le coin ? C'est qui ? Ok. Que les ondes singulières émises par la brèche. Un article font de parfait souvenir. T'aurais pas vu cet homme dans le coin ? Non, désolé. Oh, il m'a effrayé. Ça m'a effrayé. Encore avalanche ? C'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu crois que... Putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, ils peuvent pas me faire ça, mon petit cœur, là. C'est calme, une musique mélancolique. Encore avalanche. Tout ce que je demande... Et une explosion, là. Ah, ben voilà. T'es enfin trouvé. Ça va s'arrêter là. Attends, excuse-moi. Messieurs, dames, où est-ce qu'on peut vous emmener ? Vers le sud, tout droit, devant. Pourquoi ? Y'a quoi là-bas ? Il n'y a pas Corel en tout cas. Je veux pas y retourner. D'accord. Direction le sud alors. Accrochez-vous bien. On est au chapitre 9. À l'écoute de la planète. Toujours, mais on sait rien de toi. T'es qui exactement ? Je suis un simple employé de Shinra Resort. C'est une filiale touristique de la maison mère. Ça fait des années que je reste bien tranquillement au même poste. Un toutou de la Shinra. Un matou plutôt. Non, sans blague. Pour tout vous dire, j'avais encore jamais rencontré des gens comme vous. Vous êtes fascinant, ça me donne envie de vous observer. C'est mon petit côté anthropologue. C'est mon petit côté anthropologue. Que te fout de ma gueule ? Allez, on ne s'énerve pas. Profitons du voyage, ça crée des liens. Barrett, un de ces jours, tu te vengeras de Scarlett, hein ? Ce jour-là, je serai avec toi, d'accord ? Ok. Dis donc, j'ai l'impression que t'es pas dans ton assiette. Rien que de penser à elle, ça me donne envie de gerber. Je la déteste, cette fiasse. Elle va payer pour tout ce qu'elle a fait. Non, mais... Oh non, ne vous faites pas ça. Eh oh ! Eh merde ! Arrêtez la voiture, vite ! Attends, retiens-toi ! Vomis pas à l'intérieur ! Ça va aller, Yuffie ? Je crois pas... Qu'est-ce qu'on fait ? On sait pas où sont passés les hommes en manteau noir, et on peut pas continuer à rouler sans but. Non !
Et elle m'a les transports. Quand c'est comme ça... Messieurs, dames, laissez-moi vous dire la bonne aventure. Miaou, 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 miaou. J'adore. Nourriture porte-bonheur, champignons. Champignons ? Champignons ? Champignons ? Ah ! Barrette, qu'est-ce que tu disais sur le réacteur de Corel déjà ? À propos d'une arme, je crois. Hein ? Je me souviens pas de t'avoir parlé de ça. Figure-toi que pas loin d'ici, il y a un autre réacteur Mako, et il est lui aussi arrêté. Réacteur ? Materia ! Ouais, ok ! Allons voir ce réacteur ! Je pète la fin ! Ouais, on pourrait y jeter un coup d'œil, pourquoi pas. Il y a tout de même encore un peu de chemin en voiture. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va. Cloud, je te laisse conduire. Le remède de Yuffie des matériaux. Vers les luxuriantes terres du sud au-delà du désert. Je vous emmène faire une visite guidée du réacteur. Ah, joue à l'équipe, 4 sites, yes. Et on peut contrôler le buggy, c'est trop bien. Nouveau Gold Saucer, voilà, donc au Gold Saucer, maintenant on peut faire la course de Chocobo. Ok, cool. C'est trop bien. Oh les gars, ce passage là avec avec Dine, c'était... Alors attends, parce que là, il y a trop de trucs. Bon, ça moi je m'amuserai à faire ça hors live pour tout ce qui est annexe. Ah oui, d'accord. Et donc là, il y a le dernier gars là pour le Queen's Blood. Descendre du buggy. Bon, on a remplacé les chocobos par la technologie. Ça y est. Plus besoin de chocobos. Bon, je suis là, donc je vais le prendre quand même. Hein. Quoi ? Attends, je suis en train de lire le chat. Et du coup, pas de scène sur la roue avec Tifa. Effectivement, j'ai pas eu la scène avec la roue avec Tifa. Je pense que ça, on peut toujours étonner sûrement Gold Saucer, faire ça. Le déclin. Ok, alors. Allez, c'est parti. Ouais, mais je peux pas passer par ici. Et il y a les coffres ici. Donc, bon, désolé les gars, mais... je suis obligé de prendre les coffres. Hein. Dans l'original, tu retournes deux fois au Gold Saucer pour le salon. Ouais, c'est ça. Bon, il reste un coffre, normalement. Bon, après, c'est de la flotte.
Alors, du coup, on va se diriger vers la quête principale, les gars. Arrêté par le panneau là. On verra bien une fois qu'on y sera. Bon alors attendez, parce que là faut que je regarde, il est où ce... Ah oui, c'est de l'autre côté, d'accord. Donc je suppose qu'avec le buggy tu peux pas passer par là. Mais si je traverse à la nage, peut-être que... Je sais pas. Comment ça se passe avec le buggy? Est-ce qu'on peut descendre quelque part ici? Ou genre il faut faire tout un tour... Moi, je pense que c'est plutôt par là qu'on peut passer. Ben, vous savez quoi, on va longer, hein. On va longer le chemin, on va bien voir. Hein. Gungaga. Kongaga. Kongaga. Là-bas, regardez, c'est la jungle. Bien vu. Tiens bon, Yuffie. Encore un petit peu et on y est. Génial. Ah bah en fait, il y avait un chemin. D'accord, ok. Continuez à pied. Le réacteur n'est pas très loin d'ici. Au fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un village à côté. Rien ne presse. Le réacteur s'envolera pas. On pourrait d'abord se reposer un peu, si vous voulez. Oui, bonne idée. Ça va, Cloud? Qu'est-ce qu'il y a? Cet endroit. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Eh oui. On a eu une mise à jour du simulateur de combat. Donc là, on arrive dans la zone de Gongaga. Trop bien. Par contre, j'ai utilisé pas mal de méga potions. Une force, de toute façon j'en ai deux encore. Regardez un petit peu les gars. D'ailleurs au niveau des synthèses. Ah il me faut des pots de bêtes. Des pots de bêtes légendaires, ça aussi il va falloir que je ferme ça hors live. Ouais, parce que là, je vais avoir pas mal de choses à faire.
Mais on a dit qu'on allait se focaliser sur... sur l'histoire, alors let's go. Ah, je vais arrêter la VOD ici. Et on va s'en faire encore une. Donc c'était vraiment sympa. Hein. Ce jeu, il est énorme. Les séquences sont épiques. Et là, le buggy, je trouve qu'il est assez maniable. Ça fait un petit peu penser à FF15. Dans sa dernière mise à jour, hein, quand on pouvait se déplacer avec la Régalia. Hein. Mais là, c'est beaucoup mieux fait. Et, c'est cool, c'est cool. Donc, je vous dis à plus sur YouTube. Et à très vite.